Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Splinter Mud Runner. On est donc parti pour aujourd'hui pour un petit tuto sur le jeu. Donc, alors, je vais vous montrer comment un petit peu livrer le bois en fait. Comment livrer le bois sur la nouvelle map qui s'appelle Les Rocheuses. Alors tout d'abord vous avez plusieurs petites remorques, voilà, donc vous avez des petites remorques chargées, voilà, donc des petites remorques chargées qui sont juste ici en fait, qui sont ici. Voilà, donc j'en ai juste un code à accrocher. Il y a le chevronné Napco 3100. Donc, sur cette map-là, effectivement, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas du tout de camion pour livrer le bois. Donc, il n'y a pas vraiment. Enfin, il y a des GMC. Donc, je vais vous montrer un petit peu les véhicules rapidement. Hein, faire un petit tour des véhicules. Hop, voilà, il y a le petit chevronné Napco. Ensuite, on a encore un chevronné, un DMC. Enfin, GMC, pardon. W950 avec une citerne de carburant, hein, donc voilà, citerne de carburant simple, voilà. Donc ensuite on a aussi tout là-haut sur la map un GMC, juste regardez, je vous montre juste ici, juste merde, j'étais là en fait, voilà, juste ici qui est au nord de la map qui lui, hop, je vous le démarre pour vous, voilà, qui lui bien juste vous planter là, on va dire, hein, voilà. Donc, pour livrer votre série, donc vous prenez votre chevronné Napco 3100 qui est quelque part sur la map. Voilà, hop, vous y allez. Attends, non, j'avais un 3100 prêt, la série. Voilà, voilà. Donc voilà, la remorque, la petite remorque à bois, bah, il y a que ça pour l'instant pour livrer la... avec le bois, donc voilà, il n'y a que... Pour ce qui est possible de livraison de bois pour l'instant, il y a, enfin pour sur la map, pardon, il n'y a que ce 4x4 là, il n'y a que ce véhicule là, voilà, donc la petite remorque à bois. Donc je répète qu'il n'y a que ce type de remorque disponible sur cette carte là, parce que c'est une carte un petit peu spécifique, hein. C'est une carte qui a été amenée avec le nouveau DLC sur Splinter, qui, je répète, est gratuit. Attendez, je vais boire un petit coup, les amis, je suis un petit peu soif. Voilà, c'est parti. Donc là, je m'approche de la série, hein, voilà. Donc chaque remorque vaut à peu près 2 points. Donc ce qui fait que vous livrez une remorque, ça vous fait 2 points sur 8. Voilà, donc... là, justement, pour un véhicule près de la série. Le mec est fort quand même, hein. Voilà. Voilà, vous avez vu. Quand vous allez décharger votre camion, ça fera 2 points en plus. Voilà, vous appuyez sur décharger, vous faites confirmer. Hop, voilà. Et là, votre camion ne transporte aucun chargement. Voilà. Donc là, vous avez livré une partie du chargement. Ensuite, vous prenez encore un Chevrolet qui est quelque part disséminé sur la map. Voilà. Donc il y a une petite remorque au cul. Hein, donc voilà. On va aller tranquillement livrer ça, les amis. On va tranquillement livrer ça jusqu'à que la série bien sûr soit livrée. Voilà, voilà, donc si jamais vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je répondrai à tous vos commentaires d'ailleurs. Je vais mettre limite à score parce que c'est vrai que ce qui est recommandable d'ailleurs, ce que je recommande quand c'est comme ça, c'est de mettre les vitesses courtes. C'est de mettre le plus simple, parce que si vous mettez en vitesse arrière, ça vous fait reculer. Alors que si vous mettez ici, ce serait de l'automatique. Dès que vous pressez R2, ça passe automatiquement les vitesses. Alors que là, hop, vous faites vitesse courte et en avant la musique. Ah bah tiens, au passage, on va récupérer la remorque ici. On va faire d'une paire de coups. Comme ça, quoi, je vais vous montrer un petit peu comment. Ouais, donc pour l'instant, on va laisser la remorque ici, tiens, c'est pas bête. Attends, du coup, il faudrait que je prenne à gauche. Ouais, j'ai à gauche directement. Que je suis mon tracé que j'avais fait auparavant.
Allez. L'astuce ici, c'est de prendre le treuil, les amis. Vous treuillez un arbre à un arbre. Hop. Voilà l'astuce, vous prenez le petit treuil. Voilà. Tac. Ensuite, vous laissez votre véhicule. En l'occurrence, c'est votre chevrolet d'un peu 3100 en vitesse lente, en vitesse première lente. Ensuite, vous poursuivez votre chemin tranquillement. Voilà. Jusqu'à ce que vous arrivez. Hop. Attends, je vais vous avancer. Voilà. C'est vrai que là, c'est un petit peu sombre quand même. Allez, mon pépère. Attends, remarque. Je pars un petit peu n'importe où là quand même. Bien, faire attention d'ailleurs de ne pas casser le véhicule quand même, hein, ça c'est bien. Voilà, quoique je pourrais peut-être prendre un raccourci par ici, tiens. Pas con. On va essayer de prendre un raccourci, tiens, c'est pas bête. Tenter un truc les amis, mais bon, faudra pas trop faire le con. Voilà, ça passe quand même, tout va bien. On va essayer de tenter un truc, tiens. Il y a juste une rivière les amis, donc voilà, juste ici, voilà, franchir. On va prendre le treuil. Oh merde. On va essayer de grimper, tiens, si on peut. On va y arriver. On va essayer de grimper ici. Ah, d'ailleurs, on rattrape un chemin, tiens. Ah non, je crois que c'est un chemin, en fait. Ça ressemblait à un chemin, mais non, ça ne l'était pas, en fait. Je crois que c'était un chemin, mais non, en fait. Tant pis. Allez, mon gros. Putain, ne mange pas s'il te plaît, ce serait bien.
Ouais, là c'est un peu compliqué quand même, quoi. Je vais essayer de me démerder pour. Hop là, tout va bien. Dites bien, c'est à l'intérieur tranquillement, les amis. Putain. Oh, j'ai cassé mon camion. Putain la vache. Est-ce qu'il a ramassé quoi? Peut-être pas trop accéléré non plus hein, parce que sinon. Ah ouais d'accord. Je fais n'importe quoi moi. Je casse le véhicule en pas plutôt rien. Putain, pas plutôt moi. Allez vas-y. Ça me met quelle vue juste là. Attends. Parce que là ça me fait la. Ok non je crois que ça mettait la vue remorque. On va essayer de tourner à gauche, tiens, tourner à gauche. Oh putain. Ouais, sachant que là j'ai plus aucun. Allez. Allez c'est parti, on va essayer de livrer ça en... De livrer ça on va dire tranquillement, sans casser quoi que ce soit. Allez, je vois la série, les amis, je la vois. Juste devant. On va y arriver. Hop, 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 hop. On n'est pas si loin. On n'est pas si loin. Ok, très bien. Désolé les amis, je me suis fail. Hop. Un petit peu de la merde, désolé. Oh, putain. Décidément. Allez, je rejoins le chemin tranquillement. Hop là. Voilà, de nouveau, ça nous fait 6 points au total. Ouais, ça nous fait 6 points sur 8. Donc on a bientôt fini le petit tuto les amis. Donc voilà, donc les camions bien sûr qui servent à ravitailler les véhicules. Hein, pour l'instant, ils sont pas tellement utiles. Hein, voilà. Sur cette map là, je trouve qu'ils sont pas réellement utiles les camions. Hein. Hop, on va passer au suivant. On va prendre le Chevrolet ici, qui est pas trop abîmé.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Putain, par contre, faut peut-être pas hésiter de prendre les sentiers battus. Attends. Attends. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre comme chemin, tiens? Peut-être pas trop prendre un chemin escarpé quand même. Hein. On va essayer de prendre la même route qu'avant, tiens, c'est pas bête. On va essayer de prendre la même route qu'avant, si on peut. Peut-être même une meilleure route. Allez, c'est parti. Ouais, déjà ça commence bien. C'est génial. Putain, décidément, ça veut pas. Hein. On va essayer de s'atteler là-haut. Ouais, nickel. Les amis, tranquille, voilà. Une petite casse, quoi que ce soit, quand même. Hein. C'est là qu'on évite de faire de la casse. Ouais, alors faut pas faire le con. Là, faut vraiment pas faire le con. Parce que là, c'est un coup à se viander, mon beauté là. Oh putain, oh putain, oh. Pop, 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 pop. Tout va bien. Non, 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 non. Oh putain, je me suis retourné. Rip. Ouf. Oh là, oh putain. Oh. Ouais, bon, fallait bien que je me mange à un moment donné. Fallait bien que je me mange à un moment donné. Bon, tant pis, on va essayer de pas tout casser quand même. Hein. Ça serait bien. Hop. T'as la gueule de mon pick-up en pêche, quoi. Oh vache. Là, je me réjouis où, moi, du coup, là? C'est n'importe quoi. Combien?
Voilà pour l'attache de la remorque, on va partir les livrer. Tout ce bazar les zombies. Voilà, voilà. Attends, est-ce que cette remorque déjà, je peux l'utiliser pour réparer une autre mon véhicule? Ouais, c'est un truc. Ouais, c'est, je dis bien. Ah non, apparemment, j'avais déjà utilisé. Ouais, tant pis. Hop. On est parti. On va essayer de grimper par ici, tiens, ça ne veut pas trop galérer. Ça galère un petit peu quand même, mais ça va, c'est pas trop mauvais, on va dire. Moi je trouve une nouvelle route quand même, c'est bien. Je trouve un nouvel itinéraire. Allez. Allez mon grand. En fait il y a des chemins masqués on dirait quoi. Ils apparaissent pas sur la map, mais en fait ils sont masqués quoi. Ah, c'est bien. On va prendre le chemin ici, si on peut. Ouais, ça va le faire. Même avec un véhicule HS, ça va le faire. Ça va pas trop vite.
Là, je suis con, j'aurais pu traverser ici vraiment. Sur les... ouais, bon, attends, c'est quoi, prendre le chemin ici là. L'espèce de micro-chemin. Faut éviter qu'on s'embourbe ou quoi. Pour l'instant, tout va bien. Avec mon véhicule, soit HS. On va raccourcir quand même parce que sinon on va passer on va quand même passer du temps quoi. Hop, on va se trouiller quand même. C'est beaucoup mieux de se trouiller que de galérer. Allez, allez mon grand, allez mon grand. Bon, ça va être un peu hardcore quand même hein. Sachant que là je veux pas la vie, donc plus je suis chargé. Ça va être un peu choc en délire là. Ouais, par contre niveau carburant je commence à manquer mine de rien là hein. On va faire un truc. Carburant. Merde. Je pensais que j'en avais en réserve mais non en fait. Bon, tu me diras à 15 litres, ça peut devenir jusqu'à la Syrie. Vu ce que j'ai encore en carburant, je peux peut-être encore obtenir jusqu'à la Syrie. Ouais, attends, ça c'est une putain de bosse en plus ça, on va essayer de la prendre de côté. Voilà, nickel. Impeccable. Oh putain. Te mange pas, te mange pas, te mange pas. Tout va bien. Nickel. Putain. Nickel, voilà. Donc on a voilà la remorque, la dernière remorque sur la map est venue. Et depuis, enfin, est arrivé à la Syrie. Voilà. Il y a comme petite remorque là-bas. Oh, bon. J'avais même pas vu qu'il y avait encore une là-bas sur la map en fait, quoi. Voilà. Bah écoutez, on a livré la Syrie, voilà, tranquillement. Et voilà, boum! Impeccable. Donc voilà les amis, c'était tout pour ce petit tutoriel sur Sprinting Mode Runner. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Allez, ciao tout le monde!